tout le monde pour une nouvelle vidéo. Alors comme j'ai dit dans la vidéo précédente, je devais peut-être avoir un bras bas. Et ben voilà, j'ai un coq et la poule elle est là-bas. Bon, ils viennent juste d'arriver il y a 5 minutes. C'est un petit coq, hein. Il a 7 mois. Il a que 7 mois et il fait 3 fois la taille de ma nègre soir. Il s'est battu et ça... rien. Non, tu sautes pas, hein. Ils vont se battre. Il a 7 mois, hein, c'est un jeune. Calmez-vous. Il est grand, hein. Et je l'ai acheté 30 euros. Hey, je l'ai acheté 30 euros. Elle est toute calme. Elle est avec une autre couche, je pense que c'est ça en fait. Voilà. Ils sont énormes. Le monsieur l'a dit qu'il peserait 7 kilos. 7 kilos. Non. Non. Voilà. Si tu veux. Tu te calmes. Voilà. Petite poule. Ça, c'est un coq Brahma perdri herminé. Non, pas perdri. Non, si, Brahma perdri herminé. Poule Brahma herminé. Regardez, il voit carrément au-dessus de la planche. Et oui, il est énorme. Pour vous dire, là, il arrive à ça, à là où il y a mon doigt. Excusez-moi par contre si vous entendez une moto. Et il arrive à voir jusque là. Alors je vous laisse voir la taille. Là. Voilà. La poule est toute calme. Viens ma fille. Et mange. Tiens, viens. Et je pense qu'en fait c'est ça. Va falloir qu'elle s'habitue. Voilà, toutes mes autres poules sont parties là-bas. Ah, de mon coq qui est en train de coucher une poule. Il était avec un autre coq ou un dot grand. Je peux vous dire que là, il y a une boule qui pompe. Ah, la tête, la tête, ça me fait. Voilà. Non, mais il vient de se coucher. Calme-toi. Alors, mon coq a dominé le coq, bravo. Voilà. Je parle pas parce que je suis content de les avoir. C'est longtemps que j'ai volé. J'ai acheté 30 euros les deux. Non, entre 60 euros les deux. Un couple. Voilà. J'avais déjà été faire des repérages pour savoir quel poule et quel coq j'allais le prendre le dimanche dernier. Voilà. S'est battu avec personne. Elle est toute calme, regardez. Vous l'approchez, elle bouge pas. Calme-toi. C'est pas mignon. Moi, beaucoup s'entendait sur le site.
C'est le coq qui chante. Là, mes parents sont là, j'espère qu'ils cherchent à acheter un cochon d'Inde. On va mettre dans le poulailler pour faire fuir les rats. Parce qu'on a vu hier que les cochons d'Inde ça faisait fuir les rats. Voilà. Il est tout sale. Tout sale, mon coco. Alors, c'est. Attends. Il s'appelle Abraham. Je n'ai pas trouvé de prénom. Alors, dites-moi si vous en avez un. Voilà, ça c'est une de mes poules. Je sais pas du tout ça va faire quel œuf en fait. Et la poule, le coq il a que 7 mois. Comme quoi, c'est énorme. Il a dit que ça faisait vrai. Je me suis acheté à peu près 70 cm, je crois. Ils sont adultes. Et je crois qu'ils chantent quoi. Excusez-moi pour les bruits. Le coq s'est déjà battu avec la nègre soie. La poule Pékin rousse. Les deux poules. Elle est où elle? Les deux poules comme ça. Et le coq. Hein? Arracher de l'herbe. Et je vais voir si. Voilà quoi. Je vais voir juste si ça se passe bien parce que c'est toujours pas battu avec un. Et oui, le cochon d'Inde en fait, on a vu que ça faisait fuir les rats. C'est à cause de l'odeur. Grâce à leur odeur, elle a beaucoup. Je sais pas si on peut en acheter combien. Je pense qu'on peut en acheter. Parce que deux. Je sais pas si certains gens habitent dans l'Oise, près de Beauvais. Excusez-moi. Près de Beauvais. Y a un marché. C'est le marché de Saint-Paul. Si vous connaissez le parc de Saint-Paul. Bah c'est juste à côté. Vite fait leur foutre l'herbe. Je vais leur donner. Je pense que je les ferai ce soir. Excusez-moi pour les quads, hein. On est dimanche. Alors voilà. Mon coq, Pékin, il chante. Oh oui, t'es beau. Tiens. Ah, ah. Et ils ont des grosses pattes, hein. Calme-toi, Bouboule. Et là, le coq il a bu. Les coqs sont. Les coqs et la poule ils sont bagués. Vermifugés. C'est peut-être voir le combat. Eh, Chloé, tu fais pas mal. Hein. Calme. Eh. La petite poule qui pond. Lève-toi. Viens. Ils se battent. Lâche-le. Bon, excusez-moi si vous voyez rien.
Calme-toi. La poule, elle est... Ça va? Jamais vu une poule comme ça. Ils vont se battre encore. Il a que 7 mois, il fait déjà la taille de la grosse poule. Mais ils sont en train de tout broyer. Faut pas que je les sépare parce que faut qu'il y a la hiérarchie qui s'installe. Ça faisait pareil avec le coq piquant, il dominait. Le pire, c'est que... C'est la poule en fait. Elle est mal. Regardez. J'ai mis là-haut parce que en fait elle s'est fait attaquer par Bouboule. Lui il a ce con. Bon la vidéo elle sera longue hein, je vous le dis. Faut que. On se retrouve juste après. Je sais pas où je vais les mettre. Le coq qui va bien, mais c'est la poule en fait. Changement d'habitat. Viens, tiens. Mange. On se retrouve juste après, je descends la poule parce que si elle tombe, j'ai pas envie qu'elle se fasse mal. A tout de suite. Là, j'ai descendu. Je sais même pas si il y a ces ergots qui poussent, en tout cas ils sont bagués. Voilà. En fait le truc c'est que j'ai pas. Elle a coûté 30 euros là pour moi. Et vu que je connais mes poules, elles sont agressives. Que eux, ils sont tout calmes. Ça m'énerve. Voilà. J'ai envie de dormir en fait, c'est ça le truc. Et toi? Comme les deux autres poules que je voulais. Calme, hein? Hein? Non, non, vous sortez pas. Et vous faites pas de mal, hein? Eh! Hey. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci. Au revoir. Bye.